Moi, c'est Zabadou. Je viens de déménager dans un nouveau quartier et tu connais quand t'es nouveau, c'est dur de se faire des amis, de rencontrer les bonnes personnes, etc., etc. Mais je suis vraiment déter. Putain, il pleut, frère, j'ai la haine. Tu vas où? Je rentre chez moi. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Quoi, y'a quoi? T'habites où? Là-bas, vers là-bas. Ah, tu viens de déménager? Ouais. Faut pas passer là-bas. Pourquoi? Parce que les mecs là-bas, c'est des dangers, hein, je te promets, c'est des racailles et tout. Mais non, ils vont rien faire. Mais si. Pourquoi ils vont faire c'est quoi? Des grosses racailles. Ils vont faire quoi? Ils vont te. Moi, je préfère pas y aller. Hein, mais et je passe par où alors? Bah, il y a un détour, je crois, par là-bas, mais c'est un peu plus long. Attends, mais toi, tu t'appelles comment? Moi? Ouais. Je m'appelle Karim. Karim? Ah, ok. T'es en quelle classe? Je suis en CM. Je t'ai pas vu dans. Ah, je t'ai pas vu. Ah, t'es pas au collège? Non. Ah, ok. Et tu m'as dit qu'il faut pas que je passe par là? Non, c'est le temps public. Ah, ouais? Ah, vas-y, bienvenue, mon gars. Y'a pas de soucis, vas-y, bonne journée. Vas-y. Hey, t'en as pas marre de rester ici, j'en ai marre d'être à pied, frère, on galère là. Moi j'ai une idée, les gars, vous avez vu, c'est la rentrée. On va aller au lycée. Les mecs ils ont des scooters, les bons. Oh, prends chacun notre scooter, les frères. Il y a des MBK, voitures sans permis, et chacun tout là. J'aime bien le délire. En plus, j'ai raté le permis 8 fois. Ça veut dire. Ouais, mais toi t'abuses, à chaque fois tu vas, tu fumes, tu fais n'importe quoi, frère. Non, on va, on prend tous un scooter et c'est bon. Y'a pas passé le permis. Ouais, y'a pas de permis, y'a rien. C'est carré. T'enlever, tu l'as pas. Logique. Wesh Karim, c'est comment? Ah, ça va ou quoi? Eh, t'avais raison, heureusement je passais par là-bas. Ah, t'as vu? Vas-y, viens, on joue un peu. Hein. Vas-y, pas de soucis. Tu fais du foot toi? Non, même pas, c'est pour le plaisir. Ah. Et moi je suis grave fort au foot. Ouais, que dans mon ancien. Ouais, on va la balle. On fait quoi? Ça, frérot? Ça va? Dis quoi? Moi je vais y aller, les gars, moi je dois rentrer. Hein. Okay. Non, vas-y, moi ah, je dois rentrer. Je dois rentrer. Mais serre la main. Hein? Serre-moi la main. Non, je dois y aller, désolé. C'est même. Mais c'est moi, mon gars, je te la passe devant. Wesh, la balle! Non? Putain! C'est maintenant que t'arrives, depuis tout à l'heure on t'attend. Je t'ai dit ramène une voiture, je t'ai pas dit ramène un ballon. Tu l'as trouvé où la balle? Je l'ai pris à des petits là-bas, des petits bouffons là-bas. Tu vas pas grandir, frère. Mais en vrai, on a qu'à faire la canne. Eh les gars, là pour la canne, il manquait une balle, on prend celle-là, non? Bah ouais, c'est la canne, on va y aller comment? À pied? On va voler des scooters, C'est vrai. Ils avaient pas une autre balle? Elle est craquée la balle. Ouais, mais allez, c'est pour la canne. De toute façon, ils sont gays à la canne. Hein, fait ça, je fous, toi. J'ai pas sa balle, comment je vais faire? Ma balle, elle est où? Ils l'ont pris, frère. Ouais. Mais non! C'est rien, c'est qu'une balle. Mais Zabadou! Ma balle! C'est qu'une balle. Non! Ma mère, elle va me tuer. Faut que t'ailles la récupérer. Hein. Pourquoi? Ta mère, elle a dit qu'il faut te prendre la balle. Bah oui, c'est celle qu'elle m'avait achetée pour mon anniversaire d'il y a 5 ans. Ah ouais? Ouais, je suis obligé de l'avoir. Vas-y, bah je vais essayer de te la ramener. Hein. S'il te plaît. Vas-y, bah tu m'attends ici. Ouais, t'inquiète. Vas-y, je vais te la ramener. Oh, t'aurais jamais pu être pro, frère. Bonjour, les gars, vous allez bien? Si, il aurait pu, frère. Bonjour. Vas-y, prends la balle. Ah, il est où? Regarde, toi tu vas là-bas. Vas-y, on va l'attraper, Vas-y. Oh les gars, attrapez-le, la virginie. Alors les gars, il est où? Dans le gris, c'est trop rapide. Mais vous êtes quatre. Ils sont trop rapides. C'est pas lui, mais si quand même, attrapez-le les gars. Vous étiez où vous? On était là-bas, on attend. Ça fait une heure, on vous attend. Et pour un 4, vous faites rien. Eh les gars, son pote, je sais où il traîne. Nous, on attrape son pote. Il va nous dire où le tiner. Il prend pour lui. C'est il bon, traîne à la place centrale là-bas. Lui. Mais qu'est-ce qu'on va l'attraper lui? Il va prendre les lotes direct. Il est bien vous. Qui son pote? Il ressemble à quoi? C'est qui? Le petit là, même il marche comme ça. Ah ouais. Ça arrive. Oh putain. Elle tient d'où la balle? J'ai réussi à la prendre. Mais qui ça? T'as pas fait ça? T'es fou? Je voulais pas faire autrement. Et ils ont fait quoi? Ils m'ont coursé, ils m'ont pas attrapé. Oh non! Maintenant, ils voulaient me frapper, moi. J'ai cru que j'allais mourir, Karim. Moi, mais j'y vais. Non, t'as pas fait moi, ça. J'y vais. Moi, mais j'y vais, désolé. Je sors plus de chez moi. Avec moi. Ah, je sors plus de chez moi. Non, ça. Ça y est. Non, mais Zabadou! Mais non! Eh, viens, bouge pas! Viens là, je te casse ta gueule, vas-y, viens ici. Même pas! Viens là, filme ma mère.
Il est où le ballon? Il est où le ballon? Pas ton pote là, je sais pas, je m'en fous, il est où ton pote? Il s'appelle Zabadou. Karim, tu vas bien? C'est ta faute. Si t'es arrivé? À cause de toi, t'es venu, tu les as laissés jouer avec nous. Regarde comment je me retrouve maintenant. Mais qui t'a fait ça? C'est le gang des de l'autre là. C'est les autres de la balle? Oui. Ils t'ont fait. Va porter plainte. Hein? Va porter plainte. Pourquoi? C'est de ta faute. Mais j'ai rien fait, moi j'ai fait quoi? Mais c'est toi, tu les as ramenés sur moi. Oh là là. Et là, ils t'ont dit quoi? Ils me cherchent moi? Hein? Ils me cherchent moi? Ouais, toi, t'es mort. Vas-y, moi, je rentre chez moi. Mais ça sert à rien. Les gars, je t'ai pas dit. Ici, tu sais, c'est qui a tiré là? C'est les Condé, ma gueule. Ils ont attrapé mon bras. Bah ouais, carrément. Ils l'ont attrapé. Akemba, frère, double vitre, c'est moi qui l'ai posé. C'est pour ça que je le voyais plus au tabac. Tu sais quoi, il faisait parier Mbappé, il va marquer là, je le vois plus. Ah, il est au placard. Il doit frapper, il est marabouté, frère, c'est fini ça. Regardez, Aki, les gars. Wesh. C'est quoi ici, lui? Eh, viens, viens, viens. La tête homme, viens. Les gars, je n'en peux plus de courir, ça y est, je me rends, je suis désolé. Les gars, je suis désolé. Attendez, tranquille, les gars. T'es désolé. Pas de soucis, mon ref. Tiens, tu vas bosser pour nous, mon ref. Tiens, prends la sacoche. En l'intérieur, mon gars, il y a 10 pochetons, c'est tout ça, 10 euros. Je les fais tous partir, tu reviens. Et tu ramènes pas les sous, on te casse la gueule, t'as compris, ok? Mais non, pas lui, il est pas dit. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, il va bosser pour nous. En plus, il y a le plan scooter, on va l'envoyer. Au moins, on se mouille pas, nous. T'inquiète pas. C'est comment Younes, là, il est où? Ah, t'as pas un autre plan, mon gars? Ah, même pas. Il est en prison, frère, j'étais bête ou quoi? Non. Mais c'est VVT, il a pris combien? Il est passé au placard. Il a pris 3 ans pour le vol de scooter. Ah, c'est lui, frère, aussi. On prend un scooter, il est là, il veut taper une vieille. Wesh, les gars, c'est comment? Ça va ou quoi? Wesh, bien ou quoi? Tranquille? Ça va les gars, tranquille. T'as déjà changé, tranquille. Ça va, tranquille. T'as tout fait partir, c'est ouais, ça y est, frérot, tout est parti, frérot. C'est comment là, les gars? Y'a pas un plan braquage ou un plan vol? Y'a 2 mois, tu es? Moi, je suis là, frérot, tu sais très bien que je suis là. Je suis le premier. Regarde, hier, quand il y a eu embrouille avec Saïd, j'étais le premier ici, frérot. On les a tués, gros. Hello Younes. Younes, il a pris 3 ans. Il a pris 3 ans. Je cherche, je l'aimais pas lui en vrai. Quoi? Maintenant, je prends sa place, les gars, non? Non. Tu lui as envoyé un mandat, toi? Non, je n'ai rien envoyé du tout. Vas-y, bref, il n'y a pas un plan, les gars, ce vol scooter ou braquage ou quoi là? On a un plan scooter. Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Vas-y, on va te montrer. Du coup, c'est quoi le plan, les frères? J'ai un plan. Dis-moi. Ça bicrave des dauphins. C'est là ou pas? Quoi? Comment ça, des dauphins? Tu vois les dauphins, tu les vends, c'est tout. Je te dis pas. Pose pas de questions. Tu vois. C'est combien? T'es chaud ou pas? Arrête de parler. C'est combien d'abord, tu me dis? Gros, 20 000 euros le dauphin, mec. C'est chaud. C'est bon, frère. C'est où, frère? Qui va faire? Moi, c'est chaud. 20 000 euros par dauphin. T'es pas chaud? Mais comment tu veux? Tu veux péter un dauphin? Vas-y, moi, je suis chaud, les gars. T'es pas chaud? Attends, toi, tu attends. Tu dis ça comme ça, on peut le prendre dans le poche. Ma gueule, les dauphins. Les dauphins, ils sont comme ça. Frérot, si tu te déballottes, tu viens pas, c'est tout. Je vais pas, oui. Clairement, je vais pas montrer. Mais moi je viens. Tu vas aller? Écoute, tout est ficelé, ma gueule. Tu vas aller ou pas? On va bicraver les dauphins. Moi je suis chaud. Moi ma gueule, j'ai capté, tu sais pas nager. Ah, moi je prends pas. Toi tu sais pas nager, c'est pour ça que t'es pas chaud. Vas-y, on y va. Vas-y, frère, vas-y. J'ai mal au crâne. Wesh, les frères, ça dit quoi? Bien ou quoi, les mecs? Je suis pas le grand. Ça dit quoi? Wesh, il est où le poteau? Wesh, il est où? Comment? Comment l'autre là, Virginie, il est où? Virginie? Ouais. Bah, frère. L'autre fois, je vous avais parlé d'un plan dauphin. Écoute, on rentre dans le zoo. Tu sais, il fait quoi ce con? Commence à nager avec eux, il tape des brasses. Ouais, moi, je me suis pété. Les keufs, ils sont arrivés et c'est fini. Il s'est fait péter? Il a pris 5 ans. Ah, ouais. T'as pas balance, hein? 5 ans. Moi, j'ai pas balance. T'as balance, toi? T'es sûr? J'ai une tête à balance. J'ai pas une tête à balance. Et pourquoi t'as pas fait péter? Je me suis défendu, j'ai pas balance. J'ai défendu comment? Bah, j'ai dit, voilà. Non, t'es chelou. Franchement, t'es chelou. Vous avez vu les gars? Ah, vas-y, au calme, c'est bon. Les gars, c'est la galère là.
Allez frère, j'ai un putain de jeu les gars. A votre avis entre nous tous, c'est qui le premier à aller en prison? Dans la suite logique, c'est moi les frères. Mais quel toi? Toi t'es une grosse pouca. Ouais, frère, toi, moi je suis désolé. Attends, direct, t'es fiché ma gueule dans ta tête. Direct ma gueule. J'ai une tête à tabasser. J'ai déjà fait péter trois fois. Quatrième fois, c'est sûr que c'est toi ma gueule. Non, mais non, moi j'ai arrêté. Déjà trois fois il ressort, c'est bizarre déjà. T'as vu? Trois fois il ressort. Bizarre lui aussi. Je sais pas si je peux pas sortir. Y'a moyen lui en vrai. Non, lui. Non, mais c'est mais tout le temps lui. Ah, mais il a été gentil. Les gars, de toute façon, pour être en prison, faut être bête. Donc, moi, je suis pas bête comme vous. C'est vous allez y aller, les gars, c'est sûr. Vas-y, bah, mets sur moi, vas-y. Mais regarde, t'as une tête de. Tu vas me donner 10 000 carrés. Écoute-moi, c'est gratuit. T'as une tête de lascar. Vas-y, bah, mets sur moi. Vas-y. Si je mets sur moi que je vais en prison, le mandat, vous me l'envoyez les 10 000. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Pour toi, je prévois les dauphins. Vous connaissez le dicton qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce court-métrage a pour but de faire passer un message aux plus jeunes. Faites très attention à votre fréquentation. La fréquentation, ça peut t'amener au plus haut comme ça peut t'amener au plus bas. Quand tu sens que dans ton entourage, t'as des personnes qui t'engrènent à faire des choses pas bien, écarte-toi de ces personnes-là. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes et à vous abonner. Ciao.